J'ai le plaisir de vous accueillir ici, dans la cour de la mairie, pour vous présenter en quelques mots la commune de Saint-Martial-de-Nabira. Saint-Martial-de-Nabira est une commune rurale de 580 habitants. C'est une commune qui est située au sud-est du département de la Dordogne et elle est limitrophe avec le département du Lot. C'est une commune qui est assez ancienne. Son histoire remonte à l'époque du Moyen-Âge et on dit que son histoire correspond un petit peu à celle de la construction de la Bastide de Dôme. La création du village remonterait au XIIIe siècle, date à laquelle a été construite l'église du village. On retrouve d'ailleurs ici des traces de l'ancien château, un petit peu en allant vers le fond du bourg. La commune de Saint-Martial était une commune économiquement agricole jusqu'à la fin des années 1970. En témoigne d'ailleurs la forte présence de foires aux bestiaux entre 1950 et 1970. Notre commune a la chance d'accueillir ici le siège de la communauté de communes, la communauté de communes de Dôme-Villefranche, et elle accueille de très nombreux services, les principaux services de cette communauté de communes. Notre commune elle-même compte de nombreux services. Ici, nous avons la mairie, nous avons aussi une agence postale, une école, une bibliothèque, une garderie et bien d'autres. Dans la poursuite de cette tradition de foire qui a historiquement marqué notre village, la foire de l'arbre a été créée il y a maintenant une trentaine d'années par mon prédécesseur, Monsieur Jean-Guy Planche, et par une association qui a porté à l'époque ce projet. Et j'ai eu l'honneur d'en être le premier président. C'est une foire de printemps, c'est une foire qui est, je dirais, axée sur l'arbre, les végétaux, les fleurs, etc. Donc nous aurons la présence de nombreux pépiniéristes, horticulteurs. Nous aurons également la présence d'animations de foire avec des échassiers de la troupe Les Effilochés.